What's up my playboy, what's up my playgirl? Welcome to ETV Fit, ton émission sport préférée. Aujourd'hui, on va travailler les abdominaux, le grand droit de l'abdomen. Suivez-moi, c'est parti. Donc aujourd'hui, on va travailler en deux parties. On va dissocier le bas des abdominaux dans un premier temps et ensuite le haut des abdominaux. Pour le bas des abdominaux, vous allez récupérer un tapis chez vous ou en salle de sport. Allongez-vous sur le dos. Vous montez les jambes à 90 degrés par rapport au sol, ce qui veut dire comme une chandelle, de façon verticale. Et vous allez descendre à 45 degrés, pas plus bas que 45, de façon à ne pas décoller les lombaires du sol pour ne pas vous faire mal au bas du dos. Donc vous ne descendez pas trop bas. Et vous remontez à 90 degrés. Vous restez dans une fourchette de 20 à 30 répétitions sur 5 séries. Deuxième exercice, vous allez passer en poulie. Donc cette fois-ci, vous pouvez le travailler surtout en salle de sport. Pour réaliser ce mouvement, il vous faut une poulie haute. Avec la poulie haute, vous récupérez une barre droite ou la corde que vous placez au niveau de la nuque ou de la tête, que vous ramenez en direction du sol. Vous descendez en pliant bien. Contrairement au travail des lombaires où il faut garder le dos droit, cette fois-ci, on va plier le grand doigt de l'abdomen de façon à cibler sur les abdominaux. Donc vous allez arrondir le dos pour bien plier cette zone abdominale. J'espère que cet exercice vous sera bénéfique. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro de votre émission sport préférée, ETV Fit.